On lave autour du cou, on le referme. Et voilà, ça vous crée un col bien chic, bien chaud. On connaissait le tour de cou pour aller skier, voici désormais le tour de cou urbain. Baptisé Coudou, il est beaucoup plus chic. Son créateur, un Lyonnais, en avait marre d'avoir froid sur son scooter. En fait, en 2009, je roulais en scooter à Paris en plein hiver et j'étais jamais satisfait de tous les foulards et toutes les écharpes que j'avais à ma disposition. Alors au cours d'un séjour qu'on a fait avec ma femme aux Pays-Bas, Amsterdam, j'ai découvert pour la première fois des tours de cou un peu plus chics que ce qu'on a l'habitude de nous proposer. Mathieu s'est donc inspiré du tour de cou ramené d'Amsterdam et après quelques cours de couture, il a lancé sa propre marque. On imagine des tours de cou pour aller au ski par exemple, ou des tours de cou très basiques, noirs, qui n'ont vraiment aucun cachet. L'idée c'était de proposer ce produit-là pour le centre-ville, pour une utilisation urbaine, donc forcément en le rendant un peu plus chic. Ici par exemple on a une toile de coton, là on a une flanelle, là on a de la suédine, ça c'est un polyester imprimé. Hommes, femmes, enfants, aujourd'hui il vend donc une trentaine de pièces différentes, principalement sur internet. Le produit est 100% made in France, alors forcément le Coudou a un coût, en moyenne une cinquantaine d'euros.